Aujourd'hui, nous allons vous apprendre le hippie jump et le mojo. Tout d'abord, le hippie jump. Il faut tout simplement placer ses pieds sur les vis. Pour la pratique, il vous faudra effectuer un saut droit pour que la balle ne parte pas en avant ou en arrière. Au début, vous aurez peur et vous retomberez sûrement la board entre les jambes. Le money hole. Donc la position c'est très simple, le pied arrière dans le creux de la board et le pied avant sur les vis ou un peu avant, c'est comme vous le sentez. Donc pour trouver l'équilibre, il faudra plier la jambe arrière et avec un peu d'entraînement ça devrait passer. Mais après il y a une variante du money hole, c'est le nose money hole. Donc cette fois, le pied avant dans le creux de la board et le pied arrière sur les vis ou un peu avant. Démonstration.